konyoka maboye nasengi bolimbisi kosalela moninga ezomboli baresi koveli tobandaki na mobola tata lelo sipomengo mabe manso ya libala nanga kaka senandima. Félicitations, Sista Clarisse. Et ça te choque si je te disais que j'ai entendu les timbres vocaux d'Abhichi Masekini? Ça t'est choqué? Choqué, non, mais c'est un honneur. En tout cas, c'est d'être comparé à Betty, une grande chanteuse comme elle, c'est... je sais pas, ça fait bizarre. Sista Clarisse, l'album Beno Kuisa sort... Beno Kuisa. Beno Kuisa. Beno Kuisa, c'est vous. Oui, Beno Kuisa, c'est vous. Exactement. Ça sort le 13 novembre prochain. Voilà, en numérique déjà, oui. Et quelques jours après en physique. Alors, quelle est la différence qu'il y aura entre le physique et les numériques pour les auditeurs qui nous suivent en ce moment? Alors, c'est vrai que sur Radio Okapi, pour le numérique, en fait, ça sera en téléchargement légal. Et ensuite, pour le physique, ça sera, on pourra le trouver dans les bacs, à la FNAC ou chez les disquaires, selon... C'est un album de combien de titres? Dessus, il y a 13 titres. Dont 2 instrumentaux. Décidément, l'album sort le 13 novembre et il contient 13 titres. Comment tu expliques ça? Ah, ce n'est pas volontaire du tout. En plus, le concert de présentation, c'est aussi le 13. Donc, non, c'est un hasard. Mais je ne suis pas superstitieuse, donc... Et ça coïncide avec l'anniversaire du feu Taboulet Rochereau qui était né le 13 novembre 1940, que cet artiste et musicien congolais d'en face, de Kinshasa, qui nous a quittés. Exactement. Sista Clarisse, l'album Beno Kuisa, 13 titres, qui sort le 13 novembre, à 13 h, j'imagine. Ça, j'ai pas encore l'horaire, non? J'ai pas encore l'horaire. Alors, les concerts, c'est les mêmes jours, ça sera où? J'imagine c'est pour présenter l'album également. Effectivement, on va le présenter à la péniche L'Antipode, au métro Stalingrad, donc sur les quais de Seine. Là, c'est en France. Et puis, est-ce que tu ne comptes pas venir ici, au Congo-Brazzaville ou au Congo-Kinshasa pour faire les mêmes exercices? Ah, ça serait le but, justement, pour présenter l'album et puis par la suite aussi pour y travailler. Si, c'est mon territoire là-bas, donc c'est la finalité, en fait, on va dire. Les dates seront connues, j'imagine, mais si... Les personnes qui suivent Radio Okapi en ce moment, Sista Clarisse, c'est qui? Et elle vient d'où? Alors, Sista Clarisse, c'est qui? C'est une Congolaise, née au Congo-Brazzaville, mais ayant grandi en France. Et bon, j'évolue ici en tant que chanteuse. Effectivement, on n'a pas encore, je ne suis pas connue du grand public, mais si les gens veulent connaître un peu le travail que je fais au niveau de la musique, ils peuvent aller sur Internet, sur YouTube, ils peuvent trouver des clips, ou sur Facebook, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux. 3 albums, c'est pas peu. Si tu fais le calcul, en rapport avec les premiers albums, tu me rappelles les titres du premier et du deuxième, et puis ça nous fait quand même titre avec 13 titres des Beno Kuisa. C'est vrai que par rapport à mon parcours, 3 albums, c'est pas beaucoup, parce que ça fait quand même un petit moment que je suis dedans. J'ai commencé dans les sons de système, c'est-à-dire les milieux reggae, et de là est sorti un premier street album qui s'appelle Sonsiste à Kla, et ensuite j'ai fait un album studio avec un homme qu'on appelle Rido Bayonne, qui est un grand musicien de chez nous aussi, du Congo-Brazzaville. Et celui-ci est sorti seulement en numérique, en téléchargement légal. Et puis voilà, le 3e album, du moins le 2e s'appelait Fleurs Sauvages. Ah. Et maintenant le 3e album. Ben, du coup, ça fait un total de combien de chansons comme ça? Aïe! J'ai pas calculé à vrai dire, mais sur le premier par exemple, il y avait au moins 18 titres parce que c'était une compilation de tout ce que j'avais pu faire dans les sons de système. Oui. Sur le second album, il devait y avoir 12 titres. Je compte plus mes chansons, j'oublie même parfois. 30 plus 13, ça te fait 43 chansons. C'est pas peu pour animer un concert de bout en bout. 18 plus 12, ça te fait 30 et plus 13 autres chansons. Et l'album Beno Kuisa, c'est... Effectivement. Une quarantaine de chansons. Oui, non, mais sur scène, ça va, je tiens. J'ai de quoi. Est-ce qu'il y a d'autres chanteuses congolaises, des Kinshasa ou congolaises, des Brazza, avec qui tu collabores ou avec ou tu écoutes souvent pour améliorer ta façon de chanter, par exemple? Alors, j'aime beaucoup Barbara Kanam. Bon, alors je vais citer les classiques, hein, Pongo Love, Abhichi, et puis la maman Billy Abel. Alors ça, ce sont les références. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une nouvelle génération aussi de chanteuses qui arrivent, que j'aime beaucoup. J'aime bien MG30, j'aime beaucoup, j'aime bien son univers en fait, j'aime bien sa façon de chanter, son grain. Maintenant, dans ce qui est plus... on va dire dans la musique urbaine, ce que nous on connaît ici. Je connais par exemple Manassé Israël, qui est, elle maintenant est à Kin, qui, mais elle était ici à Paris. Autrement là, à chaud, je sais pas, j'ai pas les noms là. Alors j'aimerais bien que Sista Clarisse chante des bouts de chansons des autres chanteuses pour voir un peu si ça peut marcher quoi. Ah, ça je ne saurais pas le faire parce que je suis très mauvaise pour les reprises. Même pour les classiques. Je suis vraiment trop mauvaise pour ça. J'ai besoin de faire un vrai travail, de travailler sur une chanson pour pouvoir la rechanter. Parce qu'en fait, j'ai pris l'habitude d'écrire, d'avoir mes propres compositions. Et c'était même un choix, à la base, de ne faire aucune reprise. Pour ne pas altérer un peu ma créativité. Beno Kuisa, c'est l'album qui va sortir le 13 novembre prochain à Paris et à Brazzaville, à Kinshasa, partout dans le monde entier. Il sera disponible en tout cas partout, après, en tout cas en téléchargement légal. Après, c'est vrai que s'il faut avoir le disque physique, on verra. Sista Clarisse compte avec quelle chanson dans cet album? Voilà, Beno Kuisa. Qu'est-ce qu'il y a? Boyokani. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, je n'ai pas les titres. Est-ce qu'on peut écouter un bout des Beno Kuisa? Oui, vous pouvez. Oui. Bien qu'on va proposer ça sur le support, mais j'aimerais bien écouter ça à voix nue. Ah, à voix nue comme ça, oui. Que je le chante. Waouh! Alors la chanson c'est Beno Kuisa na inzo ya mampila kele mwasi yeah. Beno Kuisa na inzo ya mampila kele mwasi. Alors, qui a arrangé la chanson, qui a joué, il y a eu des collaborations, oui, dans tout l'album. Parlez-nous un peu des... Alors pour l'album, il a deux tendances, un peu reggae et un peu roots Afrique. Donc pour ce qui est un peu reggae, j'ai collaboré avec un label américain, Roots Injection, et j'ai travaillé avec un DJ qui vient de Bristol, qui est un DJ dub, qui est très connu dans le milieu du dub reggae. Et pour tout ce qui est afro, j'ai collaboré avec James Vital, un Congolais de Brazzaville, et qui est un très bon arrangeur, un très bon clavier. Et il y a eu des collaborations comme Olivier Chimanga, qui est venu faire la guitare, notamment sur Beno Kuisa aussi. Mel Malonga, qui est un bassiste de chez nous, du Congo-Brazzaville. J'ai le tromboniste Pierre Chabrel, beaucoup de musiciens ont participé dessus. Ah là là, à chaud comme ça, je vais en oublier, donc je m'excuse pour ce... Décidément, Sista Clarisse travaille avec des grands. J'ai vu Monsieur Braza à quel côté, j'ai vu Coco de Kosenko, Junior vient de venir. Oui, Junior Baya, oui. Et puis, comment tu fais pour être entouré des grands? Comment je fais? Je pense que c'est le travail, hein. J'ai commencé petite et au fur et à mesure j'ai rencontré les gens. À quel âge? Tu avais commencé à quel âge? J'ai commencé vers 19 ans, 20 ans. Et puis en fait j'étais encore en fac quand j'ai commencé, j'ai arrêté. Et ensuite, au fur et à mesure des collaborations en fait, moi je ne suis pas arrivée dans la musique de façon classique. C'est-à-dire que je n'ai pas pris de cours de chant, je n'étais pas du tout dans un milieu musical. Donc au départ j'ai commencé dans les sons de système comme tout le monde. Je suis arrivée, j'ai pris un micro et j'ai commencé à poser ma voix. Et en fait, au fur et à mesure, on m'a dit « Ah, mais ça a l'air intéressant ». Et puis, j'ai fait des rencontres et petit à petit, je suis sortie du reggae. J'ai été un peu dans le jazz, l'afro-jazz avec Rido Bayonne. Et puis un peu dans la soul, un peu dans le hip-hop avec les rappeurs qui me demandaient parfois de faire des refrains. Et puis voilà. En fait, c'est au gré des rencontres. C'est pas des choses qui sont provoquées comme ça. Ou oui, je pense que l'expérience après nous fait rencontrer... Est-ce que tu as joué déjà dans des salles, des références, ici en France et partout ailleurs? Oui, j'ai pu faire... Mais c'est toujours pareil, hein, par des rencontres. J'ai pu faire, par exemple, la Belle-Villoise grâce à SoCalmerie, qui est un grand musicien aussi de King. Qu'est-ce que j'ai pu faire encore? Oui, j'ai fait des salles comme, je sais pas moi, l'Élysée Montmartre quand c'était encore ouvert, les Divans du Monde. Je sais pas, je retiens pas tout ça en fait. Sista Clarisse, c'est un message clé pour cet album qui va sortir le 13 novembre prochain. J'ai cité Beno Kuisa. Ben ouais, Beno Kuisa, venez. Venez simplement découvrir mon univers, pour ceux qui ne me connaissent pas. Pour ceux qui le connaissent, venez redécouvrir. Et puis, le message, c'est quoi? C'est... en fait, je veux mettre en avant mon retour vers mes racines aussi. Donc, c'est l'Afrique. Voilà. Alors, comment contacter Sista Clarisse pour les gens qui nous ont suivis de partout, grâce à notre site internet www.radiocapi.net, ainsi que les auditeurs qui sont disséminés à travers la République démocratique du Congo et ailleurs. Pour me contacter, il suffit, je ne sais pas, de prendre contact avec le label, de contacter, je ne sais pas, les managers. J'ai une page Facebook, Sista Clarisse, simplement. Il y a un site qui est en cours le site du label, donc on pourra trouver... on pourra trouver les informations dessus. Donc, le label, c'est KK Lab Musique. Donc, bientôt, vous aurez toutes les informations dessus. Moi, j'ai fini. Et si Sista Clarisse a quelque chose à ajouter avant de clore définitivement cette interview? Eh bien, un grand merci à tout le monde. Un grand bonjour à tout le peuple congolais avec le grand K. Et puis, Beno Kuisa dans mon univers. Merci Sista Clarisse et bonne chance pour cet album qui sort le 13 novembre, Beno Kuisa. Moi je suis déjà venu. Merci, merci beaucoup en tout cas Radio Okapi et puis à très bientôt. Merci. C'était pas classique, hein? Oui, je sais.